I do not believe in original sin. However, I have been corrupted by life, by circumstance, and by my own foolishness. And that's what makes us who we are. We are all searching for that one moment when the music captures our soul. We live for the music. We die for our music. And that's what makes us who we are. These things trouble me the most. I want to be pure, but I fall so short. Corrosion, rust, death, and failure haunt my every breath and step, and yet I live and write while corrosion bites. And that's what makes us who we are. We are all searching for that one moment when the music captures our soul. We live for the music. We die for our music. And that's what makes us who we are. While corrosion bites, it shows there's some strength in me. While corrosion bites, it shows there's some strength in me. Possibly, maybe, decidedly, I will persist. Even in hell. Your suffering will be legendary even in hell, oui. Effectivement. Ma souffrance va être légendaire, même en enfer. J'ai farmé un petit peu avec le chien, avec Brown, hein, comme on s'était dit hier. J'ai trouvé ceci. J'ai trouvé du chocolat fin avec un arrière-goût amer. Mais par contre, il rétablit toute la santé. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? Parce que vous savez qu'il faut qu'on tue Hoffman. Hein. Hier, on a pas réussi. On a échoué au moins 3 fois. Donc on a trouvé du chocolat. Enfin, j'ai trouvé du chocolat. J'ai pas retrouvé avec la boîte de gâteau des biscuits. Mais par contre, j'ai trouvé une tarte. Donc on a une tarte en plus. Et on a du chocolat. Alors est-ce que ça va suffire pour tuer Hoffman? J'espère, je pense. Cette tarte est aussi bonne qu'elle en a l'air. Elle rétablit beaucoup de santé. Bon, voilà. On a 2 tartes. Et
du chocolat. Après, j'ai cherché partout avec Brown. Et bon, bah, on n'a pas trouvé de biscuits. Donc, je pense que les items de heal, de soins, je pense que les items sont limités. Comme dans Resident Evil avec les plantes vertes. Donc, j'ai fait une petite save, ce qui fait que du coup, on a juste à aller voir Hoffman pour le combat. On s'y rend tout de suite. Et par contre, j'ai essayé de tuer un petit peu là les ennemis, mais ils repopent à chaque fois. Non, mais non. J'ai à peine commencé le truc, il me mord. Ah ben, on va pas être copains, hein. On va pas être copains. Hein. Allez, allez, Bron. On s'est fait déjà mordre une fois. Hein. On a déjà perdu un peu de vie, bravo. Salut Léa. On sort le petit lapin. Et j'ai vérifié hier... par rapport à Peter qui est en fait le petit lapin, j'ai compris pourquoi je le confondais avec l'oiseau. Putain, non, non, mais c'est pas possible, regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait encore comme erreur? Ah, je suis resté sur le chocolat. Ah ben, ça commence bien. À chaque fois, j'essaie de tout bien faire. Allez, on se casse, Brown. Non, de toute façon, la pièce est juste ici. Non, hier, j'ai compris pourquoi je confondais Peter avec, avec l'oiseau. Parce que quand je parle à la petite fille là-haut, elle me dit qu'il s'est en... elle est devant l'oiseau qui est en train de voler de l'étagère à la pendule. Et la petite fille, elle m'interroge, elle m'a dit « Peter s'est enfui ». Et ben effectivement, j'ai compris pourquoi je pensais que c'était l'oiseau. Parce qu'il y avait l'oiseau qui était juste devant elle. Donc on pouvait vraisemblablement penser que Peter pouvait être l'oiseau. Je vous montrerai. Bah, peut-être que ça va... Vu qu'on a pu chercher le Peter, peut-être qu'elle va plus me parler de... Bah, elle va plus me parler de lui. Mais je vous assure, je ferai la capture. Hein. On pouvait comprendre que je... Mon erreur. C'est pas vraiment que ma faute. Mon dieu. La mouche pour se donner un petit peu de force. Je laisse la cinématique. Hein, pour les gens qui n'avaient pas vu hier. Plus se remettre dans l'ambiance. En revoyant la VOD, en étant un petit peu plus relax, relax max, comme disent les jeunes, j'ai vu que la cinématique était très sympathique. J'aime beaucoup l'idée qu'il soit complètement en bandage, Hoffman, avec la ceinture là qui lui tient la tête. Puis écoutez ce qu'il dit là. C'est malsain à mort. Yeah. Did you make a mess again? This is unforgivable, you dirty, dirty girl. Dirty girl, it's unforgivable. Ouais, bon allez. On essaye de jouer bien. Voilà, voilà, là il s'est fait choper par... Mais merde, le... Oh là là, le contrôle. J'attends qu'il le chope encore une fois. Vous avez vu ça, hein, mon personnage est reparti dans l'autre direction. Allez, allez, Bron, fais pas le con. Là, je me casse. Et j'ai pas pu trouver d'eau pour le chien parce que je ne sais plus comment on fait. Ah putain, là, il me viole. Ah, j'ai réussi à le repousser aussitôt. Allez, 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 c'est une affaire qui roule. Cette caméra. Hein. Tralala, et il me tue par derrière. Ah, je suis fan. C'est bon, Brown l'a chopé. On va l'avoir. Il faut vraiment qu'on prenne notre temps. Bon, déjà, je joue mieux qu'hier. Hein. Je le vois, je le sens dans mes petits doigts, jusqu'au bout de la manette. Ouais, voilà, bon. On va se soigner après. Là, par exemple, vous voyez, c'est ça. Ça, c'est le coup dégueulasse. Je ne peux pas l'esquiver. Ça. Je suis mort? Pff, non, mais... Il m'a touché là, de là, vous avez vu?
C'est complètement injuste. J'ai complètement merdé. Ah non, 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 non. J'étais persuadé de l'avoir dès le premier coup, là. Ah, en début de VOD, ça la fout mal. Les gens sont... On était 10 000, ça y est, on est plus que 5 000. Mon téléphone n'arrête pas de vibrer, je reçois des messages d'insultes. Bon, j'ai peut-être pas besoin de demander à Bran où aller. Ah, mais Nyctaras est là. Et Nyctaras, il pèse 5000. Tout le monde le sait. Tous ceux qui ont fréquenté Nyctaras de près ou de loin dans leur vie savent combien il pèse dans le game. Non. C'est bien là, hein. Hop. Oui, et pourtant j'ai pas été touché, bah oui. Non, mais c'est un jeu injuste. J'ai l'impression que c'est au petit bonheur la chance, la vie aussi. Je me suis fait toucher par qui, là? C'est par là, je sais plus. Ça y est, je stresse. C'est par là qu'il y a le... cargaison, hein. Nique sa gueule. Ah non, il me dit de retourner en arrière. À chaque fois que je stream, eh ben... je me repère dans ce dédale, ce labyrinthe de jeu. Non, il fallait tourner à gauche. Bon, le petit piano est revenu. On va la voir. Il faut pas que j'hésite à me remettre de la vie. Hein. On va pas se faire baiser. Ah, mais voilà, fallait tourner là. Hop, hop, hop. Allez, c'est bon, c'est bon. C'est parti. J'ai réussi à faire le chemin, là. On est bon, on est bon. Mais c'est pas du tout là. Pourquoi il m'emmène ici? Oh là 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 là. Qu'est-ce que j'ai mal fait encore? Et je me fais baiser. Bon, hé. Hey, vous savez quoi? Ce début de DVOD est catastrophique. Pourquoi il ne m'emmène pas au petit lapin? Ah, parce que je suis mort et il reprend la sauvegarde. Putain. Effectivement, on n'était pas du tout full vie. Il fallait que je mette les crottes de Peter à nouveau. Mon dieu. Il y a moyen que je bannisse Hoffman avec ma petite épée. Ah, ça serait tellement bien. Bon, je me suis mis full vie. En fait, la vie est très très longue. Je pensais qu'on était bon, mais en fait, pas du tout. Vous avez vu, c'est la barre rouge. Vous la verrez si vous ne l'avez pas remarqué là encore. Allez, allez, emmène-moi au bon endroit. Bah j'étais bon alors tout à l'heure. Bon allez, on se le fait là. Hoffman là, dès le départ, début de VOD, problématique, je me trompe dans les objets. Bah j'ai pas le réflexe à chaque fois, comme c'est un nouveau gameplay. Mais en fait on était bon, c'était bien par là. On était bien à la cargaison tout de suite. Est-ce que j'ai mal fait? C'est parce que j'ai pas persévéré. Ah, mais là, maintenant, la cinématique se lance. Oh, n'essayez pas de comprendre. N'essayez plus de comprendre rien. Allez. C'est parti. Tout en sachant que là, on peut l'avoir dès le départ. Hein. Oups, mais pas du tout, il me saute dessus. Allez, Bran. Mais j'ai l'impression qu'il y a des moments où il est plus. C'est bon là, il l'a attrapé. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal, mais il m'a baisé. Mais c'est toujours trop tard quand j'y vais. Ah putain. Et quand j'appuie sur les boutons, évidemment, je dis à Bran de... Oh là 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 là, c'est catastrophe. C'est pire qu'hier. Putain. Mon dieu. On va la voir. Hein. Mais c'est chaud. Non, il me reste encore un peu de vie. On a deux tartes. Vous avez vu ce coup-là? Il le met en retard. Je me le prends à chaque fois.
Il se bat comme moi à l'école primaire. Bah déjà, moi je me battais pas moi à l'école primaire. Ah putain, vous avez vu. Qu'est-ce que vous voulez faire? On peut pas l'esquiver. Arrête de foutre ton bras devant le devant. Putain, je suis mort. Arrête de foutre ton bras devant Jif Meuf. Et pas compris. Et pas compris, Léa. Qu'est-ce que tu veux dire? Arrête de foutre ton bras devant Jif Meuf. Je suis colère, mon accent ch'ti ressurgit. Ah, t'es ch'ti. Ah, bah, ah ouais, d'accord. Ah ouais, mais fallait me le dire dès le début. Là. T'as commencé à te battre à quel âge, Romain? Ah, je sais pas, 17 ans. 17 ans. Qu'est-ce que j'ai fait? Once upon a time. Mais non, mais que... Mais j'ai pas du tout envie de recommencer le jeu. Bon, allez, hop. Je reviens... Mais... Mon dieu, hein. On n'est pas aidé, là, hein. On n'est pas aidé. Je relance le jeu, je sais pas ce que ça a fait, ça a relancé... Oh, mon dieu. J'aurais voulu faire pire que j'aurais pas pu. Pour discuter avec vous, hein. T'as commencé à... visage. GIF, visage. Visage le jeu. Ah, visage. D'accord, j'ai compris. Arrête de foutre ton bras devant GIF. Ah oui, non, mais voilà. Mais pas oui, mais si vous parlez pas français. Ah voilà, on va pas être copains. Je savais pas qu'on disait ça. En Normandie, on dit la goule. Pour dire le visage. Ça fait longtemps que je me suis pas battu, moi. Faudrait que je recommence, tiens. Je vais faire chier ma femme. Ça sert strictement à rien. Ne fais point ça. La Torghoul. Donc du coup, je vous ai jamais montré du coup la cinématique d'intro, mais je trouve qu'elle spoil trop. C'est pour ça que je me suis abstenu de vous la montrer. C'est pour votre bien en fait. Parce que je sais que après bah ça casse la magie quoi. Allez, on charge. On va y arriver hein. Ah faut. Faut... C'est bon. Faut être zen, hein, pour ce jeu. Hein. Alors là, je n'oublie pas de réarmer... Enfin, de réarmer. De remettre les crottes de Peter. Voilà. Et là, je lui dis d'y aller. Mais par contre, j'imagine que le changement de son n'a pas été pris en compte. Évidemment, parce qu'on peut pas retourner dans les options. C'est un jeu où à chaque fois qu'on arrête une partie, le jeu considère que bon bah il faut remettre les options à chaque fois. C'est-à-dire le son. Donc là le son était trop fort, évidemment. Donc je remets ça. Ah, on va y arriver. Hein. On va y arriver. À chaque fois que j'arrête le jeu, je suis obligé de retourner dans les options, voilà, pour la luminosité, pour le son. Donc là, le son allait être trop fort, la luminosité était pas la bonne. J'ai oublié de faire ça. C'est ma faute. On va le faire ensemble. Voilà, là j'appuie sur Start. Ah, maintenant, même les trucs les plus élémentaires, maintenant, me font peur. Voilà, comme ça, vous allez voir le menu. Vous voyez, il est au maximum. Voilà, il faut que je remette à 6, luminosité maximum, et le filtre, je l'enlève moi. C'est plus joli. Et voilà. Bon bah ça casse un petit peu de la magie, hein, évidemment. Pour ceux qui viennent d'arriver, là, ils se disent, bon bah c'est amateur. Le mec est dans les options, il est censé streamer depuis 20 minutes, il a même pas tué Hoffman. Allez, on est bon. Ouais, c'est moi qui suis laborieux aujourd'hui. Mais là, par contre, vous allez voir qu'on va l'avoir du premier coup aussi. C'est comme Dark Souls, là. C'est que les boss sont très difficiles, et puis après, on ressent une immense joie. Vous voyez, là, le son est parfait, la luminosité est bonne, voilà. Et j'étais obligé de le faire. Sinon, on allait jouer, le son allait être trop fort, vous alliez pas m'entendre. Enfin, ça allait nous emmerder. Je suis désolé. Je ferai une petite coupure au montage. Les gens penseront que je l'ai tué du premier coup, Hoffman.
se diront, oh là là, quel skill. Quel skill. Bon. C'est bon, hein, on est sur le bon chemin. De toute façon, j'ai plus aucune confiance dans le jeu. Voilà, là on arrive à la cinématique. Bon, je vais la passer, hein, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. De toute façon, vous étiez trop gâtés, donc ça vous fait un petit peu du bien de savoir ce que c'est les véritables conditions d'un joueur. Voilà, là c'est bon. Ah mais il saute sur le chien maintenant. Allez, là c'est bon. Allez, on fait pas le con, on fait gaffe à la vie. Je vous lis, hein. C'était au début, j'ai toujours du mal à me mettre dans le chat. Hein. J'ai pas le réflexe. On est comment niveau vie? On va être très con. On va tout de suite se mettre, quoi. On se met une tarte. Enfin, on s'est compris, hein. Je l'utilise. Oh, ça va. Allez. Comme ça, on est sûr de pas mourir par... On est sûr de pas être surpris. Je suis même pas sûr que ce soit une bonne idée de l'attaquer de par derrière, vu que... Putain, là, il m'a pas touché, sa baguette, elle est pas aussi loin. Regardez là comme c'est dégueulasse. Allez, voilà. Et non, là, il m'a touché. Vous avez vu ça? C'est pas possible. Il peut pas me toucher, je suis pas du tout là. Je suis pas du tout là. Putain. Son arrière-train immunisé. Ouais, non, mais c'est ça. En plus, on a pas de bouton pour se protéger. Je suis déjà en train de mourir, non, mais... Donc du coup, on se prend le chocolat. Moi, bon, j'espère qu'il est, il j'espère que c'est pas un boss où il faut lui mettre 50 000 coups. Et il est mort. Putain, mais regardez là, je me suis fait toucher par son cul. C'est ça, oui, il est immunisé. J'ai pas le temps de te lire, hein, Nictaras. Putain, vous verrez, on est en train de griller en regardant un quarantenaire galérer sur. Il a tué Bron. Non mais le boss est encore plus dur qu'hier. Il subgrade en même temps que moi. Oh putain. Là je check un coup ma life. Oh mon dieu, vous avez vu ça? J'utilise la tarte. Ah putain. Mon dieu, faut que j'arrête de dire putain. Faut qu'on soit poli. Eh, on... Oh là 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 là. Et je vous assure que j'ai fait tout l'aéronef, hein, une grande partie pour trouver des tartes. Ah, il me viole. Tout à l'heure, j'ai réussi à le virer d'un coup. Là, il veut plus. Je n'éprouve plus de plaisir. Ah ouais, mais bon. C'est pas gentil de me dire ça. C'est pas gentil. Pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire. En plus, j'ai voulu être très gentil. J'ai farmé pendant une demi-heure pour trouver une tablette de chocolat et une tarte, quoi. Pour le résultat où Nictaras me dit, comme dirait ma femme, après un quart d'heure, je n'éprouve plus de plaisir. Les gens sont ingrats. C'est ça, hein. Les gens sont ingrats. Ils savent pas tout le mal qu'on se donne. Pas grave. Pas grave. Je battrai tout seul, Hoffman. Même sans votre soutien. Mais merde! La petite caméra là-haut. On avait dit. On avait dit plus jamais ça. Non mais là, il m'a touché là. C'est pas possible. Cette hitbox.
Mon Dieu, mais si j'avais acheté le jeu là, 9 à 600 euros, mais je fais le pied de grue devant l'appartement du développeur, je lui mets un coup de chevrotine. Je regarde un walkthrough là parce qu'on en est là, apparemment ça aide avec le tuyau, mais elle a l'air d'être bien. Mais elle a l'air d'être bien plus rapide. Alors pourquoi tu m'aimais? Mais c'est... Enfin, tu comprends? Moi, elle est plus rapide? Bon, j'essaye de le tuer, ok? Parce que sinon, ça m'agace. Ah, putain. Là, je loupe des coups gratuits. Bon, en même temps, quand le chien chope Hoffman, ça change pas grand-chose. Prends ton tuyau, ni luxe sa gueule. Non, non, le tuyau fait beaucoup moins de dégâts. Alors peut-être que le mec lui préfère, mais c'est le couteau fait plus de dégâts que le tuyau. Je l'ai vu sur les petits. Quand je m'amuse à les tuer, le tuyau, il faut que je leur mette plein de coups. Le couteau... Bah, écoute, si je meurs, je vais bien reprendre le tuyau, mais je... En manette en main, et je vois bien la différence, quoi. Le couteau est plus simple. Oh putain. Allez, je peux me soigner là pendant... Oui, bah j'ai bien fait. Qu'est-ce que je fais? Je prends la tablette de chocolat tout de suite. Hein. J'adore Nictaras. Le mec sur la vidéo, il joue trop bien, et toi non. Sur le trou, le mec tourne autour de lui a fait plein de coups rapides avec le tuyau. Merci Nictaras, ça m'aide énormément. Mon dieu. Je suis en train de galérer et tu es en train de me dire qu'il y a un mec qui arrive à le tuer. Mais je me doute bien qu'il y a des mecs qui arrivent à le tuer. Rapidement, mais attends, tourner autour en lui donnant plein de petits coups, c'est ça que tu me conseilles de faire. Salaud, comme ça. Mon dieu. Ah, je doute. Je vais essayer de faire ce que tu me dis, mais. Je peux pas faire plein de petits coups et tourner autour. J'imagine bien que c'est pour m'aider, mais bon, là je galère. C'est très difficile de tourner autour de lui là. Regardez, ça le touche même pas. Oh putain. On va y arriver hein. Ah putain, ça c'est dégueulasse. Ça c'est dégueulasse. Et le coup qui part après. Allez, je me mets un coup de tarte. Allez, allez, allez. On peut l'avoir là, hein. C'est pas trop mal. C'est nul. Je joue mal, mais on peut l'avoir. Je lui remets qu'un coup, comme tu me dis. Ouais, mais pff, ça revient au même. Il m'en refout hein, quand même de temps en temps. Hein. Il est dans une boucle là, non? Je l'ai eu! Oh putain! Salut Eve! Oh j'ai réussi! Remarquable! Ça vous plaît? Oh. C'est moi qui l'ai fait! Pardon pour la cinématique. J'ai pas fait attention, ils ont emmené le corps de qui? D'Hoffman? Ah, ça nous plaît. Mais oui. Bon, merci pour ta technique, hein. Je peste, mais elle s'est avérée quand même un petit peu utile. Un petit peu. Jennifer a trouvé sac chaud. Ah bah c'est très bien, moi je rêvais d'avoir un sac chaud. Vous savez ce qu'on fait là? Est-ce que vous savez ce qu'on fait là? On sauvegarde. Alors là, mes petits pères, on va sauvegarder Fissa. Je veux rien entendre. Je veux rien entendre sur le chat. Il faut sauvegarder. Ah mais tous les monstres ont disparu. D'accord. Moi j'aime pas trop ce jeu depuis le début, désolé Romain.
Ouais, mais t'aimes pas ce jeu, tu n'aimes pas. Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Tu n'aimes pas Visage, tu n'aimes pas Amnesia. Ce serait plus simple que tu me dises que t'aimes. J'essaye de faire de mon mieux, hein. En logistique, on est dépassé, Eve. On ne sait pas ce qui te plaît. On ne sait pas ce qui te plaît. On cherche, on ne trouve pas. On ne trouve pas. J'aime Visage. Menteuse! Menteuse! On a bien vu que dans tes commentaires, le ton n'était pas là. On a bien vu que quelque part ça te gênait. Et pareil pour Little Nightmares. Non, non, non. J'en crois pas une seconde. Ça, c'est pour me faire plaisir. C'est pour essayer de rattraper. On a bien vu. Et en réanalysant les VOD, ça ne fait que confirmer ce que je viens de dire. On voit bien, quand tu dis ah oui, là j'aime bien, on voyait bien que c'était pas vrai. C'était pas vrai. Et qui c'est qui a réussi à faire glousser Eve? Hein? Remarquable. Ça vous plaît? Oh. Oui, c'est moi qui l'ai fait. Et voilà. Bon, on a sauvegardé. Hein, soyons un peu sérieux. Alors pendant que vous étiez pas là, j'ai trouvé une passe à linge. Ah bah voilà. Et voilà. J'ai trouvé une passe à linge, en essayant de trouver du chocolat, j'ai trouvé une passe à linge. Bon, me demandez pas comment. Je crois que c'est avec la chaussette sale. J'ai trouvé une chaussette sale. Et grâce à la chaussette sale, j'ai trouvé de passe à linge. Bon. Au moins, on a gagné du temps. Maintenant, on a trouvé un sac chaud sur Hoffman. Alors, on va le faire inspecter par Brown, évidemment. Ah, ce gros coup de goéland. T'es pas gentil. Vous êtes pas gentil. Entre Eve, qui aime pas mon contenu. Hein, c'est ça. Entre Eve, qui aime pas mon contenu. Et toi qui insulte tout le monde, hein, qui a du mépris pour l'humanité. Pas gâté. Pas gâté. Vous êtes un drôle de coupe. J'aime ton contenu, j'aime pas ce jeu. Ce jeu, c'est mon contenu. Bon, on a trouvé le sac, hein. Pardon. Allez. Allez, Bran. On va forcément aller voir une nouvelle piste. Pas du tout. Mais non, c'est une erreur de parcours. Malheureusement, je suis bien forcé de me rendre compte que c'est pas forcément le meilleur jeu à streamer. Voilà. Il est un petit peu. C'est un jeu individuel, c'est un jeu solo, ça se joue solo, ça. Vous voyez? Moi, ce que j'ai envie de faire, pour faire progresser l'histoire, bah, normalement, allez. Ils ont ouvert une porte, on doit pouvoir suivre les traces de sang, enfin, vous voyez. De toute façon, ça me fait peur parce que à chaque fois que je propose quelque chose, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Donc, pour ça que maintenant je suis très accroché au chat. Nouvelle mission, le chien à la gastro. À chaque fois que j'ai une idée, quand je regarde la VOD, je me rends compte que j'ai complètement faux. Bon, d'ailleurs, maintenant j'essaie de me rattraper en temps réel. Très difficile. Donc c'était bien là qu'on s'est fighté, hein. Donc on doit pouvoir aller là. Si on n'est pas trop dingue. On doit pouvoir ouvrir ça maintenant. Pas du tout. Par où il a disparu? Il a disparu par là, notre ami Hoffman? Ah, ça glousse. Hein. Je vois ça hein, sur le chat. Je vois que... Bon, les gens sont de bonne humeur, c'est déjà ça. Allez, cherche. Rien, hein. Il me trouve rien ce chien. Niveau vie, je suis merdique. J'ai bien envie de me reprendre un peu de tarte. Sinon, on a la pince à linge. La pince à linge, elle permet de trouver trois trucs, mais on s'en fout quoi. Bon, c'est dans le bon chemin. Enfin, c'est le bon chemin. On va voir ce qu'on trouve. Ah, bah, il a déjà trouvé quelque chose. C'est une sucette? Ça serait fantastique. Inventaire plein. Ah, qu'est-ce que j'aime ce jeu. Quand t'as plus de vie, tu te mets du tartre. Vacances que j'aurais pas eues. Mais je comprends que vous êtes en couple. Vous vous comprenez bien. Moi, je comprends pas. Mais vous, ça a l'air d'aller.
Vous savez quoi, je vais prendre la tarte. J'ai peur de la gâcher, j'ai peur que ça me donne trop de vie. Pas... Allez, on l'utilise. Non, ça va. J'ai peur de la gâcher. Oh, j'ai trouvé une bille. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de bille? J'ai pas besoin de bille, moi. Vous avez vu ce jeu? C'est curieux. Bon, le truc du baron, là, on... Si je demande à Brand de me trouver l'origine du truc du baron, s'en fout complet, quoi. Mais t'as pas lu ma phrase au-dessus, c'est pour ça. Mais on est des Wardos. Alors, attends, je lis ta phrase. Quand t'as plus de vie, tu te mets du tartre, vacances que j'aurais pas eu. Pardon. Moi, je suis content, je suis au chômage dans 2 jours. Ah bah, parfait. Félicitations. Félicitations, Eve. Comme quoi, avec un peu de persévérance, hein. Un petit peu de persévérance, un petit peu de courage, on arrive à tout. Je suis très content. Très content pour toi. J'espère que ça va bien se passer. C'est Nictaras qui doit être content. Bon, on a trouvé un sac chaud, on va regarder ce que c'est. Hein. Un sac en toile de jute. Pas de blague, s'il te plaît, Nictaras. Qui contient quelque chose se tortillant. On a trouvé un sac en toile de jute qui contient quelque chose se tortillant. Bon. Mais là, je suis bête. Ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit toujours continuer à chercher Peter. Notre mission n'a pas changé. Ah, mais c'est ça le sac en toile de jute, c'est Peter. Qu'est-ce que je suis idiot. C'est le chien qui... c'est le lapin qui est dedans. Il faut que j'aille le redonner à Amanda. Bah, elle va faire la gueule. Elle va faire la gueule, Amanda, quand elle va voir... Quand elle va voir le... comment il est, le petit lapin, là. Et ben voilà. Et voilà. Elle va faire la gueule. Elle va dire... Il était pas vraiment comme ça au début, hein. Vous me l'avez modifié. Mon lapin, vous me l'avez modifié. Ce qui est bien, c'est que pour trouver Amanda, on va faire sentir à Bran un objet lui ayant appartenu. Comme ça, on va pas se planter. Moi, je propose ça. On a un objet qui nous permet de trouver Amanda. Alors peut-être que je l'ai rangé, je regarde. Non, c'est... Alors la lettre, voilà. On a une lettre fleurie, vous vous souvenez. Je vais la donner à Bran. Et je vais lui dire de me retrouver Amanda. Allez, vas-y. Vas-y, Bran. Ah! Il me dit qu'elle est par là maintenant. Oui, enfin, il me fait changer de porte. Ah non, bah on a bien fait de le faire ici. Je ne me souviens jamais de la carte. Alors je sais pas si pour vous. Je ne soutiens pas ses propos haineux. Ah oui, mais moi non plus. De toute façon, à chaque fois qu'il méprise le monde, je fais comme si j'avais pas lu. Malheureux, hein. Malheureux d'en arriver là. On a des viewers, on fait semblant de pas lire leurs messages. Je me suis fait une raison. Ça fait drôle quand même. Ah bah oui, elle est là. Ah oui, Bran, j'ai vu. J'ai bien vu qu'elle était là. Pique tout, il m'a lu modérateur. Oui, mais ça c'était avant. Ça c'était avant que je me rende compte de tout, de votre coupe, de ta haine, de ton mépris du monde. Bon, allez, cinématique. Ah non. La princesse mesquine parla en fixant son regard sur le sac entre les mains de la fille. Ouais, vous allez voir, elle va être déçue. Hein. Nous avons réussi, nous... Donne-moi Peter, je leur donnerai pour nous. Ah non, mais c'est moi qui dois aller le donner à la porte, je pense. Nous avons réussi, nous ferons une belle équipe. Nous formons une belle équipe. Donne-moi Peter, je leur donnerai pour nous. Non, 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 non. En fait, sur la VOD, j'ai vu que... Ah non, je peux pas passer, il faut vraiment que je lui donne. Eh ben, bon, vous êtes prêts? À mon avis, elle va pas être contente. Je lui donne le sac chaud. Utiliser.
Dis donc, elle prend tout le couloir. Bon, vous êtes prêts? Et le petit lapin, il allait très bien. Par contre, quelqu'un a cassé la boîte. C'est eux, vous avez lu? C'était marqué Catchim, Catchim, attrapez le lapin, comme quoi il était dangereux. Emergency. C'est pour ça qu'ils lui ont mis des coups de, des petits coups de bas, des coups de lac. Ah, ça s'insulte. Même entre vous en plus, c'est terrible. C'est terrible. La forêt semblait étrangement familière. Dans les bois épais, sous les étoiles, une cérémonie sacrificielle avait commencé. Chassant désespérément sa peur, la fille approcha lentement de l'étrange lueur. Le poids de lundi, le poids de mardi, a presque pu s'enfuir. Je vous laisse lire là. Ça va vite. Alors on n'est plus dans l'aéronef? Je sais pas, Nictaras. Mais le petit lapin, il était dans le sac, il s'est évadé, non? Ladies and gentlemen, welcome to the Aristocrat Club. I wish to thank you for gathering here today. Jennifer. Ils vont encore me faire des misères, vous allez voir. N'y va pas, Sat. C'est un traquenard. Oh, et puis elle tombe. May I have your attention? This is a message from the Princess of the Rose. The message reads: Jennifer, your efforts this month deserve special recognition. Ah bah enfin. Enfin. You managed to find Peter and will be amply rewarded. Thus concludes the message from the princess. Splendid. Oui, je pense work, aussi. Jennifer. You are no longer a wretched peon. Ah, on n'est plus une mendiante. Amanda, on the other hand, has been demoted. Ah, on est monté en classe. Bravo. Amanda. Ah, c'est à nous de la torturer maintenant. It's time, Jennifer. Jennifer. Elle va le faire? Jennifer. On s'en sort pas si les gens n'apprennent rien. Mais non, vous avez vu, elle a obtempéré. Ah mais il est mort. Laura était mort, donc ça ne l'a pas effectué. Oh bien sûr que je veux sauvegarder, évidemment. On a bien compris que dans ce jeu c'était primordial de sauvegarder. On se fait plus avoir. Bon, qui c'est qui a réussi à passer la cinématique et qui est arrivé jusqu'ici? Remarquable. Ça vous plaît? Oh. C'est moi qui l'ai fait! Et voilà! Vous êtes trop gâtés! Vous êtes trop gâtés! Bon, on y retourne à l'aéronef là. Vous avez vu, il y a un petit document à prendre. Hein. Ah, il y en a trois! Tu es réveillée? Alors, Jennifer, tu sais que tu n'as pas été sage? Bah, décidément, j'ai rien fait. Pourquoi ils m'en veulent tous? Vraiment? Tu ne comprends toujours pas? Oui, ben non, je suis dans le flou le plus total. Très bien, je te ferai lire ces livres alors. Je suis pas obligé de prendre cette voie-là, hein, mais j'aime bien. Vite, vite, lis l'histoire, Jennifer. C'est Thomas, avec sa voix de démon. On commence par lequel? Bon, en bonne occidentale catholique, je vais commencer de gauche à droite.
Jennifer a trouvé Oiseau Bonheur. L'oiseau du bonheur. Bon, installez-vous bien, je vais vous conter son histoire. Un jour, une petite fille trouva une grosse boîte. L'oiseau du bonheur était à l'intérieur. L'oiseau l'emmènerait au pays de toujours, mais chaque boîte était plus petite que la précédente. Dans la plus petite, elle trouva enfin l'oiseau. Mais il était bien trop tard. L'oiseau était mort depuis longtemps. Fin. Eh bien, on est bien gâté. C'est ce que je vais lire à mon fils avant d'aller se coucher là ce soir. On pouvait pas... Donc on a fait un choix là. Hein. On a fait un choix, j'espère qu'il n'était pas déterminant. On a fait un choix. Bon, j'ai essayé de faire dans l'ordre. Hein. J'ai pris celui de gauche. Ça me paraissait le plus évident. Allez, au mois de juillet 1930 toujours. L'oiseau du bonheur. Bon bah très bien, elle est très très bien ton histoire. Ça m'a beaucoup plu. Tu connais bien mes goûts. Quand la fille malchanceuse ferma le livre, elle remarqua que la princesse froide était entrée dans la pièce. J'aime pas du tout elle, la princesse froide. Il y en a peu que j'apprécie, il faut dire. La princesse parla doucement. L'oiseau rouge. As-tu trouvé ce que tu cherchais? Cette chose qui t'est si précieuse? Ok, donc on se retrouve à nouveau. Je regarde la petite carte. Hein, parce qu'on l'adore, cette carte en charbon négatif. Nous sommes dans le salon. Regardez, je vais faire un beau zoom. Regardez-moi ça, comment ça pixelise. Pas du tout. Voilà, nous sommes dans le salon. Très bien, il y a des pétales. Et là, il y a un vase. A priori, non. Bon, très bien. On a progressé. Hein. On a progressé. On se retrouve dans le salon. Est-ce que c'est la première fois qu'on vient dans le salon? Je crois. Hein. Ce qui serait intéressant, ça serait de trouver des biscuits. Pendant que nous farfouillons. Est-ce qu'on peut jeter... Attendez, je vais stocker d'abord le... Ça va nous faire de la place, ça va nous faire un slot de plus. L'oiseau bonheur, là on n'en a plus besoin, hein. On l'a lu. Hein, c'est bon ça, on l'abandonne. Hein. La chaussette, je sais toujours pas à quoi ça sert, je la garde sur moi. On a le couteau, et le couteau de baron... j'ai envie de le garder, mais je sais vraiment pas à quoi ça sert. Hein. Regardez, on a du chocolat. Ça permet de trouver des chaussettes et du chocolat. Et on a toujours la clé qui permet de retrouver un des personnages. C'est pour ça que je la garde, en fait. C'est que si je l'avais fait ressentir à Bron, il va me trouver son propriétaire. C'est ce que je me dis, hein. Peut-être que j'ai faux. Bon, ça, pour trouver Peter, on s'en fout maintenant. La crotte de Peter, on la garde pas. Bon, allez, pour l'instant, on reste comme ça. Allez. C'est fini, Peter. Ben oui. C'était là où il y avait l'oiseau au dernier épisode. D'accord. Petite cinématique. Ah bah là le chien s'est vraiment figé. Hein. La princesse résolue et la princesse sage parlaient entre elles. La fille malchanceuse écouta. Elle n'a pas du tout l'air d'être espiègle, Diana. Tu as raison, Meg. Nous aurions dû la pousser un peu plus. Nous parlerons des détails plus tard. D'accord. Retrouvons-nous à notre endroit secret. Ah, regardez ça, c'est un indice. Elles sèment des... Ah, elles ont semé un pétale. Ça nous permet avec Brown de les retrouver. J'ai dû faire à trouver plume rouge. Ah, c'est des plumes. Pardon. Une plume d'oiseau pourpre. Attendez, il y a Brand qui est sur un coup de biscuit. Ça m'intéresse, ça, juste avant. Hein. Parce que là, au niveau life, on n'est pas terrible. Hein. Vous excitez... Ah, voilà. Merci, Brand. Oh, mais non, ça, c'est quand même très, très énervant, ce coup de l'inventaire. Je vais me débarrasser, pas de la plume, évidemment, mais de la crotte de Peter, on n'en a plus besoin. Hein. Voilà. Et là, on ramasse... Le petit biscuit.
Merci mon bon. Il n'y a plus de biscuits dans le coin. Donc maintenant mon petit Brown, ta nouvelle mission, c'est qu'on retrouve... On va la regarder déjà cette petite plume. Il est bien jaune ce pourpre où je suis daltonien. Non, il était jaune. Hein. Regarde. Une plume d'oiseau pourpre. Il était rouge. Non, il est rouge. Alors, je l'abandonne surtout pas. Je m'ai trouvé. Par contre, je suis un petit peu curieux. J'ai envie de voir quel est le nouveau cadeau à donner à la boîte, là. Il y en a un par mois, là. J'ai envie de lire. Qu'est-ce qu'il y a, maintenant? Vérifier la boîte, non. Lire l'affiche. Birdie of Happiness. Cadeau du mois, oiseau du bonheur. Bon, voilà. Allez. C'est notre nouvelle mission. Hop, on tourne la caméra, maintenant on est au courant. Et Brown, il est déjà sur le coup, il a déjà flairé une piste. C'est parfait, tout roule. Non, t'es un petit peu daltonien, Nictaras. C'est pas grave. On peut s'en sortir, hein. Si on est bien orienté, si on est bien aiguillé, on peut s'en sortir. Moi, j'ai vu des daltoniens qui avaient réussi, qui s'en étaient sortis. Faut bien être soutenu, faut bien être accompagné. Et je suis sûr que Eve, ta femme, est là. Donc ne baisse pas les bras. On peut s'en sortir. Allez, regardez-moi ça. Ils en ont du temps. Hein. À chaque fois que je disparais le temps d'une cinématique, ils ont le temps de graffiter un petit peu partout, de faire plein de choses. Hein. Bon, vraisemblablement, on va être obligé de suivre les... Bon, il y a du clipping un peu. Hein. Vraisemblablement, tu es obligé de suivre les petits dessins. Donc maintenant, tu as monté de grade et tu vas chercher un petit oiseau. Exactement. Maintenant, j'ai la place d'Amanda. Moi, j'ai qu'un œil et demi, mais je le vis bien. Ah, tu as un petit problème de vision en plus d'être maigre. Ouais, mais de ton côté pirate me dérange parfois. Ah, c'est Léa qui parle, pardon. Mais je ne savais pas que tu souffrais d'un handicap. J'en suis désolé pour toi. C'est-à-dire, genre t'as 9 sur 10 à un œil et puis t'as 5 sur 10 à un autre. Quelque chose comme ça, Léa. Ou alors t'as un gros strabisme. Qu'est-ce qui se passe? Il me faut d'autres... Si tu veux j'analyse un peu ton problème, il me faut plus d'éléments. Il y a des plumes d'oiseaux par terre. Ah bah oui, il y en a même un paquet. Elles forment une piste qu'il est difficile d'éviter. Alors pour ceux qui m'insultent sur le chat, c'est pas que je ne sais pas lire. C'est que j'ai une télé qui est très très grande et les caractères sont énormes et ça pixelise à mort. Et il faudrait que je recule d'un mètre pour pouvoir lire. Ah bah oui, Brown, j'ai bien vu que t'avais trouvé les plumes. Hein. Là, il y en a plein. Qu'est-ce qu'on fait? On prend l'escalier, regardez. Ça va nous mener... Hein? On n'est pas idiots. Ouais, je suis une pirate. Décollement de rétine qui s'est pas full guéri. Ah merde. J'en suis désolé. J'en suis désolé pour toi. J'espère qu'il va pas me demander la clé. Hein. Ah, c'est bon. En quoi faisant? Comment t'as pu te décoller la rétine, hein? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est encore passé là? Vous avez vu là le petit dessin? 37. Mais bien fait de le regarder. Ok. Il va y avoir une énigme là. Je vais avoir besoin de vous. Hein. J'espère que vous êtes au taquet. Hein. Bon, pour le moment, ça va. Je gère. Je suis les plumes. C'est pas des pétales. Hein. Bon, tout nous mène aux toilettes. Hein. C'est pas la première fois. Hein. C'est pas la première fois que tout nous mène aux toilettes. Hein. Et WC des hommes en plus. Bon, allez, vous êtes prêts? Va dans la chambre 37. Oui, mais... Non, mais merci. Mais avant, on ouvre. Est-ce du sang?
Oh, là, j'ai le temps de lire. Là, il faut que j'appuie sur le bouton. Bah, j'ai bien peur que ça soit du oui, que ça soit du sang, ma pauvre Jennifer. Elle est bien naïve. Qu'est-ce qu'il y a ? Elle force le chien à faire quoi ? Mais Bron n'a rien à voir là-dedans. Pourquoi ? Qu'est-ce que lui fait faire ? Ah non, il se cache. Ouais, j'aime beaucoup. Ah, c'est là leur pièce secrète. Just terrible. I can't stand the sight of her. Je t'embrasse, Eve. Bonne nuit à toi. Merci d'être passé, ça me fait plaisir. Elle parle de qui? Parce qu'elles sont, médisantes, elles sont cruelles, elles sont méchantes. Yes, she deserved it. Il parle d'Amanda. Elle parle d'Amanda, pardon. Are we too cruel? Mais oui, j'arrête pas de le répéter, que vous êtes cruel. Heavens, no. You're right. It's her own fault. Ouais, ça rigole, hein, ça glousse, hein. Bon, très bien. Bron. Bah oui, mon petit père, je t'en demande beaucoup, hein. Petit bonhomme. Oui. On pouvait peut-être inspecter. Ah, j'ai pas envie de faire un aller-retour pour rien. Dans les toilettes, on s'y est caché, mais on n'a pas regardé. Ah bah. Elle nous barre le chemin. La princesse résolue dit... Tu espionnes, Jennifer. Quelle mauvaise habitude. La princesse sage dit. Je sais ce que tu fais. Tu cherches l'oiseau du bonheur, n'est-ce pas? Il est dans une pièce à proximité. Mais je ne me souviens plus du numéro. Bah nous, on sait, c'est 37, grâce à Nictaras. L'oiseau mourra si nous ne nous dépêchons pas. Et cela fera pleurer Eleanor. Et pourquoi il mourra, l'oiseau? Qu'est-ce que vous avez encore fait? Non, je pense qu'elle sera furieuse. Elle va craquer. On va le retrouver, ce piaf. C'est une affaire qui roule. Parions pour savoir si elle va pleurer ou se mettre en colère. Pari tenu. Bon, allez les gamines. Je suis tenté... Ah non, ça va servir à rien. Il faut pas que je suive mon instinct. Y a rien dans les toilettes. Alors, tu m'as dit 37. C'était 37, hein. Là, on est quoi? C'est du 21, ici. Ah, regardez, il y a un autre chiffre. Ah ben, on est bien. Là, on a du 45. Et là, on a du quoi? Je vais le noter, hein. Il faut que je note toutes ces conneries-là. Je prends un petit stylo. Non, pas sur un chèque. J'en suis pas là. Alors, on a dit quoi? 37, c'est ça, Nictaras? 37 et 45. Il va y avoir un truc à faire. Note avec la couleur, ouais, c'est pas con. Alors, attends. Déjà, je note celui-ci aussi. C'est quoi, là? 16. 16 en bleu. 16 bleu, 45 c'était vert, hein, je crois. Je vérifie, hein, je préfère. J'ai aucune confiance en moi. Oh, putain, on en a un autre. 55 en rouge. Voilà. Ça me plaît là, moi j'aime bien les énigmes. Ah, ça sifflote par ici. L'oiseau doit pas être loin. On a un 37, voilà, c'est ça, il était en violet. 37 bleu. Non, c'est violet. Et 45 jaune. Alors du coup, j'ai plus confiance. Parce que tu me dis 37 en bleu alors que c'est jaune. J'ai plus confiance en toi. Du coup, je suis obligé de vérifier le 45. Mais je pense qu'il doit être... Bon, là, il n'y a rien.
Je vais retourner à la caméra, ça va être plus simple. Ah, là il y a du jaune. Ah mais il y en a encore un, 12 en jaune. Tu m'as raconté que des conneries. Bleu et violet, vert foncé, marron, vert clair et jaune, tout ça c'est la même chose. Oh là 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 là, mon dieu. Est-ce qu'il faut pas entendre? J'ai peut-être tu mets en colère mon chien. Non, il y en a un qu'il faut que je vois, c'est le 45. Avec ces changements de caméra, je vous prie de me croire que c'est pas simple de se repérer. Bon, celui-là, on l'a fait, là. Le bleu, on l'a fait, c'est le 16. Ah, voilà, ça doit être le vert. Le 45, ça doit être le vert. Voilà. Pince, oui, oui, vert fluo, quoi. Ah mon dieu, bon bah du coup on a tout ça mais je suis quand même tenté d'aller de retourner aux toilettes hein. J'ai l'impression qu'il y avait du sang, ça va nous permettre de peut-être avec Brown d'avoir une piste. Qu'est-ce que je fais? Voilà, c'est par là. Non, c'est par où on vient là. Je vais faire les chambres après, hein, si on a les numéros correspondants. Mais d'abord, je vais retourner un coup aux toilettes. Je sais pas pourquoi. On a été coupé dans notre élan avec la cinématique. Et le jeu étant assez vicelard et cruel, je me dis que ça se trouve, il y a un objet. Je serais pas étonné qu'il y ait un objet. Ah bah déjà, il y a du monstre. Ah bah maintenant, je peux leur mettre des coups de pied, c'est nouveau. Ah bah c'est parce que j'ai pas d'armes. J'ai pas d'armes d'équipée. Et pourquoi j'ai pas d'armes d'équipée? Parce qu'il y a eu les cinématiques. Ah putain. Allez, on essaie de faire ça bien. Bon, maintenant avec Hoffman, ça nous a... On a fait du practice avec Hoffman, hein. Du coup, on va pas se faire avoir par les petits. Hein. Il est pas mort. Allez, relève-toi. Là, j'arrête de taper parce que ça sert à rien. Voilà, là, on les a eus. Alors, est-ce qu'on a loupé un truc ici? Oui. Non, est-ce du sang? Non, il n'y a rien du tout. Bah, excusez-moi, hein, je voulais en avoir le cœur net. Il n'est pas mort, lui. Qu'est-ce qu'il trouve? Ah bah oui, non, mais je suis con. Je suis toujours sur le... Sur les plumes. Alors du coup je ne sais... On va essayer... Quelle chambre on pourrait ouvrir? On a 37, 45, 16, 55, 12. Avec un code couleur. Ouais, ils font des drôles de bruit. Là on a les toilettes des femmes. On a rien en 22 hein. Non. Les chambres vont de 22 à... On a même pas de 30 en fait. On a du 20. Ce qui m'intrigue, c'est le code couleur. Eh, attendez, la petite va peut-être pouvoir nous aider. C'est la princesse sage, hein. Oui, c'est elle. Où peut-il bien être, l'oiseau du bonheur? Bah, je pensais que t'allais me le dire. Petite coquine. Là, ça va. Là, non, on a du 14. On a du 14, c'est pas bon. J'ai aucun moyen de poursuivre l'aventure là. Puis j'ai pas envie de checker toutes les portes. Là, c'est au petit bonheur la chance. Pourquoi ça me met 12? Attendez, j'ouvre la porte qui est en face du 12. Qu'est-ce qui s'est passé? Oula, 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 oula. Oula, on a bien fait. Un combat d'handicapé à nouveau. C'est quoi? C'est une espèce de jouet en bois qui représente... Là, on s'est fait avoir. C'est bon, je gère. Ça a ouvert la porte. C'est un piège. C'est un piège.
curieux. Hein. Là, c'était la chambre 12. Ah, maintenant, on a affaire à... je sais plus, la princesse comment? Où peut-il bien être, l'oiseau du bonheur? Bon, elle me fait le même coup. Ah, elle regarde sur sa gauche. Bon, ça veut rien dire. On n'a pas de 15, on n'a rien. Ce qui est terrible, c'est que oui, ils ont modélisé tout l'aéronef. Ah, mais c'est la chambre 15, là. Non, non, je dis n'importe quoi, on s'en fout de la chambre 15. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la 45. Là, si vous avez une idée, n'hésitez pas. Hein. J'ai envie d'ouvrir la porte qui est en face, mais pff, ça va pas correspondre. Ou sinon, on va trouver un indice, mais il va nous dire de chercher l'oiseau. Ah, c'est encore un piège. Ah, mais il tape sur le chien, en fait. Et il faudrait peut-être pas mourir, hein. Ah, ce gameplay, mon dieu. C'est bon, là je l'ai mis dans une boucle. C'est bon, il est mort. T'as une chambre 22? Non. Enfin, oui, certainement, mais j'ai pas de numéro 22. On peut aller l'ouvrir, hein. Pourquoi tu penses à ça, Nictaras? Oui, il y a forcément une chambre 22. C'est les chambres de 15 à... Minimum 15 à... Par exemple, là, ici, c'est quoi? Là, c'est 17, non? Dans l'autre couloir. Je pensais que tu avais une chambre 22 dans ta petite liste. Non, j'ai 37, 45, 16, 55, 12. On peut aller faire la bleue, la 16. Où se trouve-t-elle déjà? C'est celle-ci. C'est fermé. Eh ben bravo. La jaune, on l'a faite. Hein. Il y a peut-être quelque chose à ramasser. Hein, dans la jaune. On peut faire la jaune, la bleue, et puis après, bah non, mais après, il faut aller au... Il faut changer d'étage, quoi. Donc, je vérifie. Hein. Oui, c'est ça, 16. Là, on est sur de la 25. Évidemment, ça, c'est la 24. Et puis là, quoi? Ça monte? Ça descend? Ah, là, on l'entend. L'oiseau, il est là, la 26. Vous avez entendu, là? Je suis pas fou. Là, c'est le piaf, là. Hein. Vous allez voir. On a trouvé quelque chose, regardez ça. Non, attends, Brown. Inventaire plein, abandonner quelque chose, bien sûr. Ça m'agace pas du tout, ça, d'être obligé de virer. On peut se prendre un petit biscuit? Non, pas tout de suite. On va ranger quoi? On va ranger la clé à deux feuilles. Hein. Ça m'embête pour les clés, parce que les clés me permettent de trouver les personnages. Je crois. On fera ça plus tard, ou je le ferai hors ligne. Allez, je prends cette petite carte. Ça va peut-être nous permettre de trouver l'oiseau. Jennifer a trouvé plan du royaume. Non mais j'ai déjà ouvert les portes, c'est pour ça que je me permets de les balancer. Pays des oiseaux, population 834. Oh putain, il va falloir faire du calcul mental. Alors, pays des oiseaux, population 834. Très bien. Ça va être les chiffres et les lettres. Je regarde. Hein. Et, ah mais il y a une grosse caisse au milieu, j'allais partir sans l'ouvrir. Ok. Voilà, c'est ça. On peut pas le faire renifler par Brown, mais par contre on peut regarder. Terre des oiseaux, population 834, c'est tout. Ok. L'oiseau doit être à l'intérieur. Allez, ouvre-moi ça. Il y a une boîte étiquetée Terre.
Allez, c'est là que je vais avoir besoin de vous. Ah, tu t'en vas, Nictaras? T'es un petit coquin. Allez, bonnes vacances à toi, hein, mon bon Nictaras. Je te souhaite une bonne nuit. Et le chien aussi. Voilà. Ah, tu veux même pas nous aider pour l'énigme du coffre, mon dieu. Comment on va faire? Alors évidemment, ça va pas être 834. Et puis, ils ont poussé le vis ou même pour tourner les chiffres, c'est super lent. C'est pas ça. Ah si. Oh, c'était tout con. C'était vraiment tout bête. Oh, tu peux aller te coucher, Nictaras, on a pas besoin de toi là. Je suis haché dans ce genre d'énigme, rappelle-toi, du crématorium de Silent Hill. C'est pas faux. Jennifer a trouvé. Régime. Alors. Feuille de régime du maire de Volatilville. Feuille de régime. Ah oui, c'est vraiment son régime, quoi. Feuille de régime du maire de Volatilville. Une partie a été déchirée. Bon, on va trouver l'autre partie grâce à Brown. Que cela ne tienne. Ah, il y a une autre boîte. Elle était pas là tout à l'heure. Il veut pas l'ouvrir celle-là. Elle veut pas l'ouvrir, Jennifer. Le régime d'Esh, c'est ce que fait Léa. Bon, Brown, mon bon Brown. Je vais prendre un biscuit. Voilà, un petit biscuit, maintenant elle va mieux. On va prendre pas le plan du royaume. Mais on va prendre le régime déchiré, en fait, c'est ça. Et on va mettre trouver. On va trouver l'autre partie. Ça serait bien qu'on save, hein, parce qu'on a fait plein de choses. Allez, bonne nuit. Bonne nuit, Nictaras. À très bientôt. Allez, mon bon Brown. Par contre, ça nous a pas aidé, hein, le code couleur. Allez, mon chien. Allez, mon bon Brown. Ah, c'est ici? Sur la carte, c'est pas indiqué où on peut faire des saves. C'est à nous de nous souvenir. C'est chiant, c'est un petit peu quand même. Là, on est dans les douches. J'arrive, Brown, j'arrive. Il y a des runes, c'est quoi? C'est des runes, ça? Non. Absolument pas. Qu'est-ce que t'as trouvé? Et ben voilà, on a trouvé l'autre partie. Jennifer a trouvé feuille régime. Très bien. On va pouvoir les assembler. Voilà. La feuille du régime du maire de Volatilville. Poids de ce matin, 124. Alors, 834, c'était la population, je le note. Population. Et là, le poids du maire, 124. Ok. C'est curieux, hein, quand même. Hein. Très bien. On peut le faire sentir à Brown, ça? Non, en fait, ça nous a complété, hein. Le poids du royaume, de toute façon, on peut pas le faire. On peut pas les faire sentir, vous voyez, il n'y a pas de point d'interrogation. Elle m'intrigue quand même, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ces chiffres? 124. La feuille de régime du maire de Volatilville, ok. Poids de ce matin, 124. Bon, en espérant qu'il y ait une cinématique qui se lance. Pour nous orienter un tout petit peu. Bon, l'idée, moi, ça serait quand même d'aller sauvegarder. Hein, avant de faire le malin. J'ai pas du tout envie de tout refaire. Et vous comprendrez aisément pourquoi. C'est un jeu j'aime beaucoup. Mais très fastidieux et parfois laborieux. Hein. Pas du tout envie de tout refaire. Et on se perd d'une façon... enfin, très très rapidement. Hein. Là non, là c'est les toilettes, c'est d'où on vient. Du coup, je ne sais pas où aller, on va repartir. On n'a pas trouvé l'oiseau. J'ai envie de faire une save. Et en même temps, c'était dans quelle pièce où il y avait une autre caisse. Hein. Attendez.
Maintenant qu'on a trouvé le plan complet, j'ai l'impression qu'on va peut-être pouvoir ouvrir l'autre caisse. Même si elle n'était pas cliquable juste avant. C'était la chambre 16. Avec le petit papillon bleu. Non, ça c'est pas ça. Ouais, 16. C'était par là. C'est pas ça, hein. Non, là c'est 26. Non, c'est complètement à l'opposé. Voilà, non, ça c'est pas du tout ça. Allez. Oui, oui, je me souviens, c'était sur la droite de... De la méchante princesse. Non, parce que je suis pas fou, il y a bien deux caisses. 14. Non, c'est juste. Non, c'est pas celle-là, c'est là. C'est celle-ci. Putain, 13, mais c'est quoi ce délire? 12, 13. Mais oh mon dieu. Non mais je sais que c'est pas la bonne pièce. Mais je veux voir quelque chose. À chaque fois qu'on se trompe, ça va être un traquenard en fait. Ok. C'était à prévoir, hein, je suis complètement idiot. Mais je croyais que l'oison là. J'ai eu un doute, voilà. Oh, le combat d'handicapés encore. Allez, on va s'en sortir. Ils sont pas très durs. Voilà, c'est bon. Bon, maintenant on fait plus l'erreur d'ouvrir une pièce au hasard. On ne peut ouvrir que les pièces avec les chiffres. Bon, on a fait la bleue. On a fait la bleue, la 16. Et on a fait la jaune, la 12. Ah, mais c'était celle-là en face. Mais dans cette pièce-là, on n'a rien trouvé. Je crois que je l'ai pas inspecté du tout, hein. On est ressorti. Y a rien, quoi. Non, non, on perd notre temps, là. On perd notre temps. Faut que je retourne à celle où j'ai trouvé la carte. Donc la 16. Vraiment, ça m'intrigue, hein, cette histoire de seconde boîte. C'était par où? Non, là c'est du 18, c'est pas bon du tout. Bon, du coup, si le 18 est là, là c'est le 19, le 16 devrait se trouver ici, si je suis pas trop idiot. 17, voilà, ça doit être là. Et oui, c'était fermé. Je le marque. Elle est fermée. Et puis elle est fermée, vraiment, on entend que c'est fermé un truc avec une serrure, quoi. Bon, merde, alors c'était quoi? La jaune, elle est vide, je le marque. Je sais plus où elle était. Mon dieu. Je vais aller save. Je vais aller save. Je pense qu'il va falloir aller voir les autres pièces qui se retrouvent dans l'autre secteur. Ah, c'est fermé aussi ici. Non, non, je ne rentre plus dans les pièces. Au petit bonheur à la chance. Ça change une fois sur deux, hein. Une fois c'est la gamine, enfin une fois c'est l'une, une fois c'est l'autre. Rien que trouver la sortie, c'est un dilemme. C'est bon. Ces conneries de gauche et de droite, ça veut rien dire, ces machins, selon comment on tourne, ça change tout. Oui, évidemment. C'est en fonction de la paire de... Du personnage, évidemment. Ah, on ne peut plus redescendre. Très bien. Enfin, très bien. Donc, on est d'accord. On est ressorti par là. Hein. Je suis tenté de faire la première. Moi, ce que je cherche, c'est une save, là. Bon, c'est fermé. Moi, je préfère énormément quand les portes se ferment. Parce que comme ça, comme je vous l'ai déjà dit, ça réduit les probabilités.
Là, on se retrouve dans le premier couloir passager. Bon, il y a beaucoup d'ennemis en général. C'est bon signe. C'est-à-dire qu'on est sur le bon chemin. Bon, peut-être pas à ce point-là. Je regarde les numéros. Enfin, là, il y a tellement d'ennemis que c'est sûr que c'est par là. Hein. Mais attendez, je vais faire. On va la jouer fine. Nicolas, Léo. Non, là, je me bats pas, hein. Il y a trop de monde. On peut pas sauvegarder ici, hein. Non. Non, puis j'ai pas envie de perdre de la vie ici. En même temps, je sais ce que je suis en train de faire. Non, il faut que je change de compartiment. Moi, j'aimerais bien se trouver une petite sauvegarde. Celle-là, elle était fermée. Bah, il nous reste plus que cette possibilité-là. Bon, elle est ouverte. Là, normalement, on a des numéros de chambre. On doit pouvoir ouvrir une nouvelle porte. Puis, mon personnage va pas bien. Hein. J'ai rien à lui donner à manger. Non, j'ai que dalle. La cafétéria. Enfin, le réfectoire. Mon dieu. Vous savez quoi? Je vais regarder la carte. On le fait jamais, mais là, ça peut m'être utile. Je me trouve ici, mais il ne marque même pas le numéro des chambres, quoi. Je ressors. Hors ligne, je ferai une recherche avec Brown pour trouver des biscuits, pour pas que ça soit laborieux, parce que là, ça l'est déjà tellement assez de chercher... Ah, je peux pas du tout passer. Là, c'est quel numéro, là? Non, c'est la chambre de Clara. Tout l'accès nous est interdit. Ah, c'est la chambre 9. Eh ben, qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Juillet 1930, journal de Flamand. Un homme dérobe encore 30 livres sur le compte de sa femme. Ah oui, elle lit le journal, ok. Mais on peut pas t'aider? C'est Amanda? Ah, ils lui ont mis la misère, là. Hein. Non, je peux pas l'aider, là. La pauvre. La cafétéria, on l'a fait. Bon, il nous reste plus que cette pièce. Non, ça voudrait dire. Parce que là, je viens de comprendre. Même les. Enfin. C'était une évidence, mais bon, je suis un peu con. Les chambres des enfants ont des numéros. C'est à moi de les reconnaître. Bon, ça fait 1h24. Je vais aller. Je peux pas save alors. Je peux pas save. Il y a forcément un endroit où je peux save là, tout est fermé. Le jeu est pas si cruel. Puis j'ai pas envie de me taper toutes les pièces non plus, quoi. Ça sert à rien de les tuer, ils repop à chaque fois. Là par exemple, Victor. C'est fermé, mais c'est quel numéro? Je vais essayer d'en trouver une qui est ouverte, pour essayer de comprendre. Wendy, c'est fermé aussi. Oh non, mais là, regardez-moi cet enfer. Je sais même pas comment j'ai fait, là. Una. C'est fermé. Thomas, c'est fermé. Je fais le grand tour, hein. Allez, le petit rat, laisse-moi passer. Amanda, tout est fermé. Mais pourquoi il nous laisse aller? Pourquoi on a possibilité d'y aller si tout est fermé? Allez, ça doit être ouvert. Ou c'est la porte pour se barrer? Oh mon dieu. Ah, quel plaisir.
quel plaisir. Écoutez, je vais m'arrêter là. Hein? Je vais essayer de trouver la save de moi-même. Je remercie le chat, hein, de tous ceux qui étaient présents ce soir. Et puis je vais vous donner rendez-vous demain à 21h. On va continuer. Et puis moi de mon côté, avec Brown, je vais trouver des biscuits, enfin tout ce qui est un peu rébarbatif. Mais parce que le jeu l'est déjà tellement, mon Dieu. Il l'est déjà tellement. Et j'aime beaucoup l'histoire, hein, j'aime beaucoup, mais... Il a pris un coup de vieux, quoi. Les combats, les combats d'handicapés, c'est très difficile. Un jeu fastidieux. Hein. Il faut être armé, équipé, motivé pour se lancer dans cette aventure. Mais ça vaut le coup. L'histoire me plaît, l'histoire est bonne, c'est très original, c'est très bon. Allez, je te souhaite une bonne nuit, Léa. Je souhaite une bonne nuit à tout le monde. Et je vous laisse sur mon excellent générique de fin. Merde. Remarquable. Ça vous plaît? Voilà, c'est moi qui l'ai fait, effectivement. Allez, à demain.